Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente la conférence de presse. On a bien bossé, on a envie d'aller faire un coup là-bas parce que c'est une équipe de Rennes aussi qui rencontre des problèmes. Ils ont le même nombre de points que nous. Ouais, je suis assez surpris parce que c'est quand même une équipe qui a un bel effectif. Mais voilà, donc ils se retrouvent dans cette situation avec une pression comme nous de gagner. Donc en tout cas, on va là-bas avec l'idée de faire quelque chose. On a envie, hein, en tout cas. Je pense que ça peut être un tournant pour les deux équipes. Faut pas se louper. Faut pas se louper parce que voilà, on a 8 points. On sait qu'eux, ils ambitionnent de jouer un peu plus haut. Et voilà, ils sont que à 8 points. Ils ont recruté pas mal. Ils ont doublé quasiment tous les postes. Ils ont un bon groupe. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de gagner ce match. On montre de la qualité dans nos matchs. On n'a jamais été dépassé dans nos matchs. Et puis après, voilà, il nous manque simplement avoir un peu plus confiance, avoir un peu plus l'esprit tueur. Mais il faut continuer donc à se battre comme on le montre en ce moment. On commence à prendre nos marques. Je pense que là, on va rencontrer des équipes un peu plus supérieures à ce qu'on a vu lors des 8 premiers matchs. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. On sait qu'on a joué contre Saint-Étienne, contre Lyon. Voilà, on n'est pas très loin. On a sur un match, on sait qu'on peut hisser notre niveau de jeu. Donc voilà, on va prendre match après match et on verra. Il faudra être vigilant parce que c'est une équipe qui est quand même à vocation technique. Ils ont des très bons joueurs. Et puis leur force, c'est surtout la vitesse de leur attaquant, quoi. Même s'il y a Toivonen devant qui est un point d'ancrage important. Ils décrochent beaucoup, capables de garder, mais ils ont des couloirs qui vont vite, quoi. Pas vous parler d'Entep, voilà, mais en plus, ils ont des latéraux qui montent beaucoup, Mbengue et puis Danzé, des latéraux qui participent beaucoup. Il y a beaucoup de vitesse sur les côtés. Ils jouent le contre. Et puis après, s'ils ont la confiance avec eux, ils sont capables aussi de jouer haut et puis en attaque placée, de poser des problèmes à n'importe quel adversaire, quoi. Mais forcément que si vous les prenez individuellement, c'est des joueurs qui sont au-dessus de nous. Hein. Mais sur un match, il faudrait qu'ils soient capables de nous bouger. Hein.